Bonjour à tous, bonsoir à tous, c'est sur une douceur, une musique très très douce que je vous rejoins. J'espère que vous allez bien, so I hope you're doing fine. So let's see who is here, on va regarder qui est là. Bonjour Omar, Victoria Jacques, bonjour, Victoria Possé est là aussi, Cosmina Bellou est avec nous, Kanita Cho, bonjour, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors Luciana Moribé est là, Sundar est là, Mercurial est là aussi. Masterchef est avec nous. Qui est-ce qu'il y a? Lisbeth est avec nous aussi. Yossi, bonjour. Cheryline est là aussi. Qui est-ce qu'il y a d'autre? Alors, Vouslat. Ah ben écoutez, je crois que tout le monde est là. Liliana, Fiona Adams, Sanana, Anana. Sanana, Anana, c'est probablement ça, non? Kini est là aussi. Allez, on va commencer. Béatrice Tan aussi. Khadija est là. Yulia. Sanana, Nana, c'est formidable. C'est formidable. Je suis déjà votre plus grand fan. Bienvenue en tout cas. Ça fait plaisir. Allez, on commence. So we can start right now if you want. So today we'll do a bit like we did yesterday. So we'll continue with some questions because I think it was quite funny to do. Claudie Sky est là aussi. Bonjour. Donc, on peut commencer, s'il vous plaît. N'oubliez pas, merci beaucoup, de cliquer sur like. Idéalement, l'objectif, c'est 100 likes. Nous allons voir. So we'll see if it's possible to reach the 100 likes. Maybe it's possible, maybe it's not. We'll see. Allez, on commence avec la question du jour. So we'll start with the question of the day. Pour vous, est-ce que le vendredi soir a une signification particulière et pourquoi? Oui, non, pourquoi? C'est vous qui nous dites. Bombville Lover, bonjour. Jéhovah est avec nous aussi. Hollanda, je ne sais pas si c'est le prénom. Et Bickert est là aussi. Allez, on y va. Répondez à la question. Alors, Christopher Kinney, I learned a lot with the exercises you showed. Well, my pleasure, Christopher. You can join, huh? Try to join. At this level, this is intermediate, so in most of the cases, I will try to speak French, but of course, I can explain a bit in English. And normally, you've got the text that will be translated for this level and the beginner level too. Okay, tomorrow it will be only in French, but today still, I will offer you the translation. D'accord? Don't be afraid to ask. Hein? Bonjour, Tenzin. Alors, Barat Yaswada dit « Je ne sais pas ». D'accord. Cosmina Bellou, non. Pour moi, le vendredi soir n'a aucune signification particulière. Très bien. Olga Ruiz, bonjour, bonjour. Participez. Victoria Jacques, ouais. Pas de travail demain. Youpi. Et je n'ai pas réglé une alarme pour très tôt le matin. Eh oui, c'est l'avantage. L'avantage, on peut laisser le téléphone ou le réveil sans avoir besoin de s'en servir finalement. Bombville Lover, c'est la fin de la semaine travailler, donc à la semaine travailler. Donc on se sent plus relaxé. Bonjour Emma, bonjour, bonjour. Participez. Luciana Moribé, pour moi, le vendredi signifie la liberté du week-end. Yossi, c'est le vendredi et le samedi que nous pouvons nous rencontrer avec notre petite fille. Attention Yossi, hein.
le masque. Yulia, oui, pour moi, vendredi signifie la fin de la semaine, le moment où on peut souffler. Expirer, oui. Inspirer, expirer. Alors, Lisbeth, oui, parce que je ne travaille pas et que je peux faire des choses à la maison avec la famille. Ben oui, ça c'est très très important. Sundar, pour moi, oui. Sundar, c'était très court. Efficace. Mercury Alban qui, oui, c'est le début du week-end. Susanna Anana. Non, Sanana. Ah, j'ai du mal, je vais m'habituer. Le vendredi soir est le temps pour se reposer pour moi. Eh oui, Khadija, oui, parce que c'est mon jour préféré. Très bien, très bien, très bien. Bickert, pour moi, le vendredi soir est le bonheur. Et la fin de la semaine également, sortir à l'extérieur ensemble avec mon mari. Ben oui, c'est formidable ça. Omar, je crois que le vendredi soir, attendez, est intéressant parce que c'est la porte du week-end et parfois c'est la fête. Masterchef qui nous dit j'aime les jeux vidéo. Et c'est bien, il faut affirmer les choses qu'on aime. Kirill, le vendredi a un sens ivre. Qu'est-ce que ça veut dire? Fiona Adams, maintenant non, parce que c'est le confinement. Bah oui. Cloudy Sky, en Corée, on appelle le vendredi en feu. Waouh! Pourquoi? Parce qu'on fait la fête? Probablement. Olga Ruiz qui dit oui, la liberté. Vouslat, oui, le vendredi soir a une signification particulière pour moi parce que c'est le signe de la relaxation et de la liberté pendant le week-end. Victoria Possé, le vendredi n'a pas de signification particulière avec un autre jour de la semaine. Et Sundar qui nous dit alors, pour moi le vendredi a une signification parce que je peux dormir beaucoup le samedi matin. Bonjour des Sarlika. Sundar, c'est comme Victoria Jacques, c'est pareil, c'est le dodo, on peut dormir. Allez, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce pour liker ce cours, ça me ferait très très plaisir. Merci beaucoup. Allez, que dit-elle? What does she say? Regardez, regardez cette photo. So look at the picture and tell me what she says. Que dit-elle? Allez, vous avez une petite minute, s'il vous plaît. Alors, Bharat Yaswada qui nous dit « Bonjour mes amis, vous allez bien ?» Très bien. Regardez, il y a un petit exercice. So look at the exercise and try to tell us what she says. Desarlika, elle parle avec sa collègue de travail. Vouslat, que c'est drôle cette vidéo. Ah, probablement, oui. Jéhovah, alors attendez, Jéhovah, ici vendredi est très important parce que c'est le week-end. Oui, rafraîchissez, Masterchef, le jeu vidéo est bon. Masterchef, c'est uniquement les jeux vidéo. Très bien. On va continuer. Alors, est-ce que les autres ont quelque chose à écrire? Omar, bonjour, je voudrais te voir. Pas de E à voir, Omar. Alors, Victoria Jacques, allô, tu es muet? Pourquoi pas? Tiens, Ice Cubes nous rejoint. Bonsoir, bonsoir. Lisbeth, elle dit bonjour maman, que me conseillez-vous de faire pour le déjeuner aujourd'hui?
C'est vrai, hein. On a besoin de conseils. Bickert, elle dit, mon chéri, nous allons sortir pour le déjeuner au restaurant, le dîner. Je suis très ennuyé. Oui, Kirill, je pense que cette femme écrit un article intéressant, d'accord ? Yossi, elle est très heureuse d'avoir la possibilité de voir un nouveau film sur son laptop, ouais, sur son portable. Luciana, elle dit... Cet internet me trompe toujours. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Luciana ? Sundar, elle regarde un film drôle, peut-être. Fiona Adams, elle dit « Oh, je suis promue crèche ». Qu'est-ce que ça veut dire, Fiona ? Je ne suis pas sûre. I'm not sure I understand the sentence. Je suis promue crèche. Je ne sais pas. Mercurial, comment vas-tu ? Tu as l'air en forme, mais je suis en pleine forme. C'est vendredi, Mercurial. Bombville Lover. Alors attendez, Bombville Lover, je suis très heureuse qu'ils peuvent seulement voir derrière moi et pas le reste de ma maison. Ah donc vous pensez que c'est le bazar ? C'est possible. Yulia, évidemment, c'est une photo de début de confinement quand elle avait Zoom avec vous. Oui. Ah mais Zoom, c'était une autre période. Une autre période. Emma, elle est dans la réunion à Zoom, oui, d'accord. Heureuse de te voir, nous dit Béatrice Tan. Khadija, elle pleure. Non, vous croyez peut-être. Kanita Chaud. Le vendredi pour moi, ah bah oui, mais on parle plus du vendredi, Kanita. Cheryline, après la pandémie, nous devrions fêter les retrouvailles, très bien. Ice Cubes, elle dit que cette vidéo est très amusante. Faites attention à Ice Cube, vidéo c'est féminin, donc 7, C-E-T-T-E, et amusante avec un E. Cloudy Sky, elle dit que... Qu'est-ce que tu vas faire à Noël ? Oui, ou pour Noël. Cosmina Belouel parle à sa fille et lui donne le conseil suivant. Je sais, la pureté n'est pas féconde. Jamais une vierge n'enfant par soi. Une loi exige qu'elle se mascule. Je ne comprends pas. Cosmina, je suis perdue. J'ai du mal à lire. Victoria Possé, elle parle à sa sœur et lui dit qu'elle est heureuse parce que le confinement est fini. Ah, c'est possible. Imaginez quand le confinement sera fini. Oh, incroyable. Allez, comme chaque jour, le mot du jour, the word of the day. So try to give me a word that could sum up your day, un mot qui pourrait résumer votre journée. Juste un mot, un verbe, un adjectif, un substantif, un adverbe, comme vous voulez. Alors, Lisbeth commence et elle nous dit « Wow, fantastique !» Directement, fantastique avec Lisbeth, c'est incroyable. Fiona Adams, Père Noël. Oh, oh. Jamil, bonjour, bonjour, quoi de neuf, participez, nous allons bien. Cosmina, nous prime sautier, ça je l'aime bien aussi celui-là. Bickert, heureusement. Omar, froid. Hein. Béatrice Tan, froid aussi. Julia, risotto, ça c'est bon ça. Emma, content, oui. Victoria Possé, vocabulaire. Bonville Lover, bof. Il est intéressant. Bof, il est négatif, mais pas tellement. Il y a un petit côté. C'est bof. Mercurial Man, heureuse. Paola qui nous dit cohérence. Ça, c'est bien. La cohérence, c'est fondamental. Sans cohérence, le monde s'écroule. Liliana, occupée. Yossi, ensoleillée. Masterchef, bien. C'est Monta, tripatouillée.
C'est bon. Tripatouiller, c'est formidable. C'est un verbe, et c'est un verbe régulier en plus. Ice Cubes, paresseuse. Alors ça, c'est intéressant parce que vous n'êtes pas paresseuse en général. Que se passe-t-il? Kai Montes, parfait. Sundar, bonheur. Jamil qui nous dit énergique. Luciana Moribé, hôpital. Alors ça, hôpital, attention, attention Luciana. Victoria Jacques, re-épuisée. Ah, ça arrive, hein, ça arrive. Mais demain, vous pouvez dormir. Il faut dormir le week-end. Hein. Ensuite, Sana Ananas, ah, procrastination. Un classique. Dessarlika, chanceux. Ça, c'est bien. Chériline, frappadingue. Ça fait longtemps, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas entendu, frappadingue. Olga, belle. Vouslat, calme. Tenzin, pluvieux. Abiola qui nous dit, ma journée est super. Ça, c'est formidable. Kanita qui nous dit, productive. Ça, c'est bien. Jéhovah, beaucoup de paix. Ça, c'est bien aussi. Khadija, cool. Il pleut. Vous aimez la pluie? Cosmina, dans la réponse précédente, j'ai cité un poème. Très bien, merci beaucoup de me... Mais il est un petit peu... Et c'est du français, c'est pas du français contemporain, c'était du français ancien, probablement. Zeke Thomas, spectaculaire. Et très bien, Jéhovah qui nous dit beaucoup de paix. Merci beaucoup, en tout cas. Allez, on va continuer comme hier, hein. So we'll continue with this, à vous la parole. Si vous deviez refaire cette semaine, que feriez-vous différemment? Est-ce qu'il y a une chose que vous feriez différemment si vous, on pense à la semaine qui vient de se passer? Allez-y. Alors, en attendant vos réponses, je vois que Khadija me dit « Oui, j'adore la pluie !» Ben ça, c'est formidable si vous aimez la pluie, c'est formidable. Victoria Jacques nous dit « Bonne question !» Je me coucherai plus tôt et pas après 3 heures du matin. Eh oui, le sommeil. Mais avec le confinement, moi c'est pareil, mon sommeil est complètement déréglé. Je ne dors pas normalement. Bicot, je ferai beaucoup d'exercices de français. Omar, je crois que rien, tout était dans la normalité. Mais c'est bien, Omar, c'est bien. Paula, je n'aurais pas pris autant de temps à ne rien faire. Oui, mais des fois, c'est productif. Paula. Des fois, on ne fait rien, mais on peut quand même en bénéficier. Semanta, j'aurais le joker dans la neige. Joker dans la neige? Qu'est-ce que ça veut dire, Samantha? Je n'ai pas compris. Emma, pratiquez plus de français avant de venir ici. Mais non, vous avez la possibilité de pratiquer maintenant. Luciana, peut-être que je voudrais dormir plus, tout le monde. Hein. Dessarlika, je voudrais étudier plus. Fiona Adams, je vais bien dormir et écrire un email à mon professeur, très bien. Cloudy Sky, si je devais refaire cette semaine, j'étudierais plus. Olga, oui, j'aime la pluie aussi.
Tout le monde aime la pluie, mais non. Que se passe-t-il? Alors, Kai qui nous dit « Je regarderai Netflix pendant 4 heures. » Très bien. Yossi, je voudrais refaire plus d'exercices de français. Vouslat, si je devais refaire cette semaine, je continuerais à apprendre le Python. Eh oui, le Python, c'est l'avenir, peut-être. Masterchef, je vais lire des romans de Halo. Lisbeth, je mangerai beaucoup de desserts, mais je ne peux pas parce que je fais de l'exercice. Ben oui. Il faut faire attention, hein. Moi aussi. Jamil, il faut faire des choses plus avec du plaisir, d'accord? Ah, jouer dans la neige. Excusez-moi. Vous avez de la neige déjà? Waouh. Cosmina, ce n'est pas à propos de la semaine, mais pour moi, si je pouvais refaire ma vie, je ferais beaucoup de choses différentes. Ah, c'est plus général, c'est une question plus philosophique. Sundar, je suis passé ma semaine avec ma famille dans mon village, j'ai profité beaucoup de choses de la nature, donc je ne changerai rien. Bah, très bien. Mercurial, non, je ne regrette pas le dernier week-end. Julia, si j'avais à refaire cette semaine, je ne commanderais pas la pizza. Ah, la pizza, on la commande et après on regrette. C'est après qu'on la regrette. Chériline, je nettoierai ma chambre plus tôt. Je ne demande pas. Olga qui nous dit je ferai plus vite les choses. Jéhovah, je parlerai moins peut-être. C'est possible. Alors ensuite, Tenzin qui est pour moi rien. Je ne ferai rien différemment, mais j'espère qu'il passe plus vite et finir le Covid, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est clair. Allez, nous continuons avec une question suivante. Regardez la question suivante. Si vous découvriez qu'il ne vous reste plus que 2 semaines à vivre, la question classique, que voudriez-vous faire? Donc, vous n'avez plus que 2 semaines à vivre. Alors, bien sûr, je ne l'espère à personne. Mais qu'est-ce que vous voudriez faire? Les dernières choses que vous voudriez faire absolument. Alors effectivement, hein, Luciana nous rappelle, elle nous rappelle qu'il faut cliquer sur le bouton like, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, Yenarius qui nous dit « I like French, but I can't speak. Anybody could help me? Well, you could definitely watch my videos. And trust me, you will learn a lot. You need to work a bit on your own first if you want to master the language. You need to learn a bit of grammar because it's quite important. And after that, you try to find people and you interact with them. This is the key. This is really the key. Alors, Masterchef, je prendrai un prêt d'1 million d'euros. Hop là. Emma, je ne sais pas, nous dit Emma. Béatrice Stan, je passerai mes derniers jours avec ma famille. Omar, je voudrais faire le dernier voyage de ma vie. Sanana, Anana, je ne changerai rien. Voilà, quelqu'un qui a des principes, c'est bien. Abiola, si vous deviez faire... Alors, je regarderai un film français au cinéma, très bien. Pendant 2 semaines, vous pouvez. Hilary, je voudrais passer du temps avec ma famille. Bonjour Hilary. Lisbeth, je voudrais voyager. Victoria Jacques, d'abord je pleurerai.
tout le monde, hein, tout le monde, on pleure tous. Alors j'utiliserai de la nourriture à boire, à manger, à boire, explorer et faire toutes les choses qui me rendent heureuse. Cloudy Sky, je voudrais passer du temps avec ma famille. Très bien. Fiona Adams, je vais embrasser ma maman et mon mari très très fort. Yossi, je voudrais faire un voyage. Ensuite, Yulia qui nous dit pas grand chose vraiment. Je crois que toujours je vivrai comme c'est la dernière fois. Peut-être que je vais randonner dans ma forêt. Eh oui. Mercurial, je serais trop déprimé pour faire quoi que ce soit. Oh ben non, il faut être positif. C'est... Voilà, la question n'était peut-être pas très joyeuse. Excusez-moi, Mercurial. Je voudrais voyager dans beaucoup de pays, nous dit Sundar. Kanita, je voudrais faire du ski à Hokkaido avec mon chéri. Bah oui, c'est important. Bickert, je voudrais voyager autour du monde avec ma famille. Cherylin, j'inventerai un... très intelligent, ça. J'inventerai un appareil pour figer le temps. Eh oui, le contrôle du temps. Et Cherylin, comme ça, eh ben voilà, c'est l'éternité. C'est mon tas, j'aimerais... je voyagerai en Italie et en Égypte. Tenzin, j'aimerais... je ferai le tour du monde avec ma mère. Khadija qui nous dit, je ferai de l'aumône et de la charité. Très bien. Cosmina, pour ne pas avoir ce problème, c'est-à-dire choisir ce que nous pouvons faire de nos 2 semaines de vie, nous aurions dû passer notre vie avec le courage du changement et de la variété. Très bien. Paula, une 14aine de méditation ou de médiation, méditation, pour bien réfléchir avant de mourir. Oui, excusez-moi, c'était pas très joyeux comme question. Victoria Possé, j'irai voir la reine à la Seine pour la dernière fois. Cette rivière me donne de la vie chaque fois que... Attendez, chaque fois que je la vois. Et peut-être que je ne mourrai pas. Et ben voilà. Stardust, je chercherai un endroit sympa et profiterai de mes derniers jours. Dessarlika, s'il ne me reste que 2 semaines, je passerai plus de temps avec ma famille et aider les gens qui ont besoin d'aide. Bravo Dessarlika, c'est formidable. Louise, j'épouserai toutes mes copines. Ben Louise, c'est pas possible. On ne peut pas épouser toutes les copines, c'est pas possible. Stardust, bonjour. Olga qui nous dit, je voudrais être avec Dieu tout le temps. Vouslat, si je découvrais qu'il ne me reste plus que 2 semaines à vivre, je rendrais visite à mes proches et j'irais en vacances. German qui nous dit, je voudrais voyager en Italie. Kirill, je me tirerais... Oh non! Ah non, pas de chose terrible. À Biola, je passerai les 2 semaines avec ma famille et profiter de leur amour. Allez, on change de sujet. Alors, bonsoir Roman. N'oubliez pas de cliquer sur like. Don't forget to click on the like because I would like to, if it's possible, reach the 100 likes before the end of the lesson. It would be so great. So try to click on like if you didn't do it already. Merci. Allez, on y va. Que feriez-vous si vous gagniez 10 millions ? 10 millions, vous choisissez la monnaie. Ça peut être des euros, des dollars, ça peut être ce que vous voulez. En tout cas, une grosse somme. Que feriez-vous si vous gagniez 10 millions ? Allez-y.
Alors, Cosmina qui veut préciser que pour la question précédente, et je pense que nous avions compris, j'ai voulu dire que nous devrions vivre chaque jour de notre vie comme si c'était le dernier. Eh bien oui. Non, je pense qu'on avait compris, Cosmina. Alors, Mercurial, dans quelle devise ? La devise que vous voulez. Bourneville Lover, je donnerai la moitié à la charité, puis j'aiderai ma famille et mes amis. Ça, c'est formidable. Emma qui nous dit, je voyagerai avec ma famille. Cloudy Sky qui nous dit, je partagerai avec ma mère. C'est Monta qui dit, je vivrai à Paris. Yossi, j'achèterai une maison pour ma petite fille. Ça, c'est très gentil. Omar, la première chose à faire serait d'aider ma famille et après voyager le reste de ma vie. Ça, c'est sympathique. Sanana Anana, je me demandais comment j'ai gagné cet argent. Ah d'accord, c'est la seule chose. Lisbeth, je les donnerai aux institutions pour les enfants atteints du cancer. Ça, c'est très très gentil. Kanita, je ferai un tour du monde, eh oui. Masterchef, je voyagerai dans l'espace, mon rêve. C'est bientôt possible, hein, les vols touristiques dans l'espace, c'est bientôt possible. Mais ça doit être plus cher que ça, je ne sais pas. Fiona Adams, j'achèterai une ferme avec des animaux. Merci pour tous les animaux. Paola, je prendrai 10% et je ferai n'importe quoi. Le reste, je le brûlerai. Un grand feu. Sundar, si je gagne 10 millions, je vais acheter une nouvelle maison dans la ville. Ice Cubes, je serai choqué. Je ne sais pas ce que je ferai. Ben c'est pas grave, c'est plutôt une bonne surprise. Luciana, je voyagerai autour du monde après la quarantaine et j'aiderai les pauvres. Alors, Masterchef, oui, SpaceX, ben oui, je pensais à ça. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes ? Hillary qui dit, je les déposerai à la banque. Ça, c'est très intelligent. Cosmina, je ne veux rien gagner sans travail. Il y a un équilibre dans la vie, chaque cadeau sans effort a son prix. Ça, c'est vrai. Le revers de la médaille. Dessarlika, j'aiderai ma famille et les institutions humanitaires. Bicut, je ferai un tour du monde d'abord, j'irai à Paris et à Rome, je voudrais réaliser tous mes rêves. Vouslat, j'achèterai un château. Attention les châteaux, le toit ça coûte très cher, rénover, et ça coûte très très cher. Je voyagerai beaucoup et donnerai une grande somme d'argent aux pauvres partout dans le monde. Ça, c'est très gentil. Donalov qui nous dit... Alors, je remets tout sur le rouge au casino pour doubler. Mais oui, mais vous pouvez perdre. Olga, je voudrais acheter une maison pour vivre là-bas. Kirill, je visite... Alors, attendez, j'investirai donc l'argent dans des immeubles et dans la bourse. Khadija, je voudrais voyager en Corée et voir BTS en scène. Victoria Possé, je ne ferai rien parce que je serai morte de peur et de la surprise. Un arrêt cardiaque ? Pouf, vous n'utilisez pas l'argent. Cheryline, je financerai des recherches pour créer un système d'hologramme en direct qui me permettrait de gagner plus d'argent. Et ensuite, je ferai des dons aux causes importantes. Ice Cubes, le problème, je ferai beaucoup d'investissements pour gagner plus parce que le système fonctionne comme ça. Eh oui. L'argent appelle l'argent. Roman, j'achèterai une maison à Barcelone, très belle ville. Puis quand j'aiderai ma famille, je partagerai
le reste de l'argent avec les pauvres. Très bien. Et Khadija qui dit « Je ferai le tour du monde ». Victoria Jacques, je voudrais mais une nouvelle maison à New York et peut-être deux autres endroits, économiser de l'argent bien sûr et passer beaucoup de temps à voyager. Je pourrais ouvrir un Franprix avec uniquement une seule sélection de vins. Tenzin, je ferai un don pour la charité, c'est bien, et une petite maison pour ma maman. Alors ça, c'est très gentil de penser aux mamans. Bravo Stardust, j'utiliserai une partie pour ma famille, pour moi-même, un voyage dans tous les endroits que j'ai toujours voulu visiter. Eh ben oui. Et Stardust continue, je donnerai le reste de l'argent aux organisations de protection des animaux et aux enfants dans le besoin. Ça, c'est très beau. Allez, on va parler un petit peu de nourriture parce que c'est important la nourriture. Attention, si vous pouviez manger votre plat préféré maintenant, que mangeriez-vous ? Donc bien sûr, en fonction de l'heure qu'il est chez vous, quel plat préféré vous voudriez manger tout de suite ? Allez-y, dites-moi le plat que vous voudriez manger. Allez, c'est Lisbeth qui commence et qui nous dit « Enchiladas verdes avec poulet, ce sont mes préférés !» Vouslat qui nous dit « Je mangerai une pizza !» Paola qui nous dit « Des légumes au curry !» Tout ça, c'est délicieux, hein. Tout ce que vous dites, c'est délicieux. Julia qui dit « Je sais pas, je suis en plein risotto !» Ah, le risotto, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Hilary qui nous dit « Je mangerai une pizza ». Olga Ruiz qui dit « Du poisson ». Victoria Jacques « Je mangerai un très bon cassoulet et boirai une bonne bouteille de vin rouge ». Oui, mais il est 10h chez vous, Victoria. Un cassoulet à 10h du matin. Waouh ! Cloudy Sky, je mangerai des pâtes à truffes avec des truffes. Emma, je voudrais manger des Popeyes. Je ne sais pas ce que c'est. Mercurial, du poulet au riz et aux crevettes. Sanana, des pâtes avec du poulet et beaucoup de légumes. J'adore. Bah, les légumes, c'est toujours bon. Yossi qui nous dit, attendez, je voudrais manger un poisson. Très bien. Julia qui met un verre de vin rouge. Chin chin. Omar, je mangerai mon poisson préféré en Colombie. Khadija, du poulet et des sushis. Ah oui, les sushis, c'est délicieux. Des Sarlika, une pizza et sinon une baguette. Cherylin, il est 2h45 du matin ici, je ne mangerai plus. Oh, Cherylin, un petit quelque chose, non? Un petit morceau de chocolat. Chocolat noir que vous laissez fondre sous la langue. Khadija, de la nourriture coréenne, très bien. Ice Cubes, c'est une crêpe française délicieuse et facile à faire. Ah les crêpes, c'est incroyable. C'est formidable et tellement simple, mais délicieux. Cosmina, je mangerai le plat traditionnel roumain, des feuilles de choucroute farcies de viande de porc haché, accompagnées de polenta. Ça, c'est intéressant.
On a quelque chose qui est un petit peu similaire aussi. Oui. Alors attendez, je suis en train de regarder. Sundar, je mangerai des chocolats chauds. Ça, Sundar, hein, attention, le chocolat chaud, oh, c'est délicieux, mais c'est dangereux. Kanita, je mangerai du curry thai. Bonville Lover, je ne suis pas sûr si j'ai un plat préféré. Mais je peux toujours manger une grande pizza de pepperoni. Comme Nicolas, mon fils, il adore ça. Roman qui nous dit, je pourrais manger une pizza, très populaire la pizza. Hein. Cressy, je mangerai... Alors attendez, Isombe et... Oh, je vous ai perdu. Je vous ai perdu. Où est-ce que... Voilà, Cressy. Je mangerai Isombe, c'est cassava leaves mashed. D'accord. Alors, Masterchef qui nous dit... pizza et pommes. Non, Masterchef, qu'est-ce qui se passe? Alors, Tenzin, je mangerai des salades et aux concombres. Ça, c'est bon. Bickert, maintenant, je préfère manger un kebab, une pizza... Mais chez moi, tout le monde fait la diète. Ah, le confinement, hein. Au début, on prend des kilos, maintenant, il faut les perdre. Luciana, je voudrais manger le plat que ma mère cuisinait pendant mon enfance. Ah, la nostalgie gastronomique. Stardust, alors, Sauerbraten avec des boulettes de pommes de terre et choux rouges accompagnés d'un vin rouge et de la poire. Ah oui, la poire Belle Hélène pour le dessert. Oh, une belle poire Belle Hélène pour le dessert, c'est incroyable, je suis d'accord. Alors, regardez, et j'imagine, je connais la réponse d'une personne du groupe déjà, on va voir. Si vous pouviez avoir une chose en quantité illimitée, que serait cette chose? Quelle chose vous voudriez avoir en quantité illimitée? Allez-y s'il vous plaît, vous avez une petite minute. Alors, Paola qui nous dit, et c'est formidable, de l'eau. Mais alors, de l'eau plate ou de l'eau gazeuse? Parce qu'il y a des personnes, et ça dépend des pays, des cultures, il y a des gens qui préfèrent l'eau plate et d'autres qui préfèrent l'eau gazeuse. Alors, Khadija qui nous dit « Oh, le bonheur !» Ça, c'est formidable. Lisbeth qui nous dit « Je voudrais avoir des parfums en quantité illimitée. » Fancy Skater qui nous dit « J'achèterais un château à Paris. » Oui, c'était peut-être pas la question, mais c'est pas grave. Par là qui dit « Ah, de l'eau minérale. » Eh oui, d'accord. Hilary qui dit « Ce serait du temps en quantité illimitée. » Yulia, une quantité illimitée de 20 cents, c'est possible? Non, c'est pas possible. C'est limité à 70 minutes par jour. Stardust, de l'amour, incroyable. Sanana qui nous dit, je voudrais avoir la santé illimitée. Ça, c'est formidable comme idée. Mercurial, de l'argent. Ah ben comme ça, vous êtes tranquille. Emma, de l'argent parce que vous pouvez acheter les autres choses. Masterchef qui nous dit de l'oxygène. Eh oui, sans oxygène, c'est difficile. Yossi qui dit, je pense que la santé est la chose la plus importante dans la vie. C'est vrai que c'est très important, Yossi, vous avez raison. Cosmina, si je pouvais avoir une chose en quantité illimitée, ce serait l'intelligence de savoir ce qui est le sens de l'existence et de l'humanité sur la Terre. Ouais, il y a beaucoup de philosophes, hein, qui se sont posés la question.
Y a un livre intéressant de Lenoir qui s'appelle Le Bonheur, qui est assez chouette là-dessus. Dessarlica, une seule chose, la générosité. Cloudy Sky, je voudrais avoir l'air pur. Olga Ruiz, la santé. Canita, un copain. Un copain illimité. Vouslat, ce serait la santé. Bombville Lover, le temps. Et puis la procrastination, ce serait pas mal. Sundar, des chocolats. Ah oui, mais c'est dangereux après, imaginez. Oh, des chocolats illimités, c'est très très dangereux. Très dangereux quand même. Hein. Ice Cube, je dirais la santé, c'est bien. Cheryline, la santé aussi. Tout le monde veut être en bonne santé, c'est une très bonne chose. Omar, avoir de l'argent ne serait pas mauvais pour éliminer la pauvreté. Omar, il pense aux autres, c'est quelqu'un de très généreux. Roman, ce serait de jouer au volleyball, de football. En quantité illimitée, Roman, pourquoi pas, pourquoi pas. Luciana, un temps heureux. Yessero, des amis. Ça, c'est pas mal. Victoria Jacques, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Alors, je pourrais acheter des choses en illimité, c'est vrai. Bicut, ce serait la paix, la santé et le courage. Victoria Possé qui nous dit avoir un champ avec un potager illimité. Hein, vous prenez une carotte et hop, l'autre carotte arrive juste après. Pourquoi pas? Alors attention, si vous pouviez inviter une personne célèbre à dîner, qui choisiriez-vous et pourquoi? D'accord? Une petite phrase. Qui choisiriez-vous si vous pouviez inviter cette personne à dîner et pourquoi? Allez-y. Alors, Khadija, qui est une personne très modeste, qui dit moi-même. Alors, vous discutez avec vous-même, Khadija, c'est ça? Pourquoi pas? Dessalika, je ne sais pas, j'ai honte. Mais non! Oh non, il faut pas avoir honte. Hein. Oh non, non, c'est pas grave. Si vous ne savez pas, eh bien, vous ne savez pas. Pas de problème. Alors, Lisbeth commence. J'inviterai ma mère parce qu'elle est la personne la plus importante dans ma vie. Mon soutien inconditionnel. Une maman, c'est incroyable, c'est formidable. Les papas, c'est pas mal aussi. Yossi, je voudrais inviter Roman Polanski parce que c'est une personne très intéressante et très controversée aussi, hein, Yossi. Attention. Alors Ice Cube qui nous dit « Je ne pense rien sur ce sujet. » Eh ben c'est pas grave, c'est pas grave. Paula qui nous dit « Carla Bruni, car à mon avis, elle parle trop bien français et je la trouve vachement intelligente et agréable à écouter et à regarder aussi. » Et elle chante très très bien, une voix très très intéressante. Masterchef, Elon Musk, c'est notre inspiration. Eh oui, Masterchef, et en plus, hop! Une place dans la fusée pour aller dans l'espace. Vouslat, je choisirais Angela Merkel parce qu'elle est très intelligente et gentille aussi. Victoria Jacques, Oprah, car ah ben oui, car j'espère qu'elle invitera des personnes plus célèbres.
D'accord. Oui, c'est ça. C'est peut-être ça la solution. Stardust, Keanu Reeves, parce que c'est une personne incroyablement naturelle qui prend les gens pour qui ils sont. Bourneville Lover, Beyoncé, elle est fantastique et semble très gentille. Mercurial qui nous dit « j'inviterai Shakira ». Claudia Vega qui nous dit « Salut, salut Claudia Vega, vous pouvez participer ». Regardons Omar, « Je voudrais inviter le Dalai Lama ». Eh oui, Cherylyn, Albert Einstein peut-être. Bah oui, mais c'est difficile, il n'est plus là. Il est difficile à inviter, monsieur Albert. Alors, nous pourrions discuter de nos expériences relatables. Ensuite, Emma, Trevor Noah, il est très intelligent et assez sympathique aussi. Big Kurt, bien sûr, je voudrais inviter pour voyager en Turquie chez moi et beaucoup manger dans notre maison. Kanita, j'inviterai le Papa Noël parce que je peux lui dire directement ce que je veux. Vous pouvez écrire la lettre aussi, hein, cher Papa Noël. Yesero, je voudrais inviter Warren Buffett car il sait tant de choses comme des actionnaires. Oui, Olga Ruiz, Amy Goodman, j'admire son intelligence. Romain Hazard, je voudrais inviter Lionel Messi parce qu'il joue du football et il est mon modèle. Zanetta, bonjour Zanetta, participez. Hillary qui nous dit, j'inviterai Ruth Ginsburg. Ah bah oui, elle est mon héroïne. Ah, c'est comme Albert Einstein, c'est difficile de les inviter maintenant. Cloudy Sky, je choisirai Warren Buffett pour demander quelles actions je dois acheter. Eh oui, je voudrais inviter Simona Halep, la joueuse roumaine de tennis, nous dit Cosmina. Alors, Sundar qui veut inviter Donald Trump et lui donner de la nourriture chinoise. Pas de politique, pas de politique, s'il vous plaît. Mais c'est drôle. Allez, question suivante. Quelle nouvelle compétence voudriez-vous avoir? Quelle nouvelle compétence voudriez-vous avoir. Allez, une petite minute. Alors, c'est Cherylyn qui, même s'il est très très tard, hein, il est très très tard chez Cherylyn, mais elle est courageuse et elle nous dit « parler parfaitement le français, bien entendu ». Emma qui nous dit « chanter ». Bickert, je voudrais apprendre le français, perfectionner donc en 3 mois. D'accord, ben c'est possible, hein, vous pouvez. Mais déjà, j'ai vu, Bickert, vous faites les dictées et c'est bien, c'est bien, c'est bien. Omar, je voudrais être meilleur en mathématiques. Sanana, je voudrais pouvoir chanter. Paula, celle de connaître les oiseaux par leur chant. Ah oui, mais ça, c'est compliqué. Mais même par l'apparence, non? Cloudy Sky, je voudrais avoir la compétence de parler français comme les Français. Vous choisissez votre accent, hein? Ça dépend où en France. Mercurial, j'aimerais parler plusieurs langues. Masterchef, je veux parler français. Ben, vous écrivez en tout cas français, là. C'est parfait. Yossi, qui dit, je voudrais enfin parler français comme les Français le font.
Sundar, je voudrais apprendre la langue française. Ah, ça y est, tout le monde s'oriente sur le français. Lisbeth, parlez bien français et d'autres langues. Luciana, Moribé, je voudrais apprendre les claquettes. Oh, ça c'est chouette les claquettes. Oui. C'est toujours très très sympathique. Yulia, je voudrais pouvoir parler moins directement et plus diplomatiquement. Ah, ben ça, c'est la diplomatie. Cosmina Bellou, je voudrais avoir la compétence de comprendre les sentiments des gens et les actions que ces sentiments génèrent. Mais est-ce que c'est une compétence? Est-ce que c'est une véritable compétence? Je ne sais pas. Olga qui nous dit polyglotte. Très bien. Vouslad, je voudrais apprendre à jouer de la guitare comme mon lapin. Ice Cubes, pouvoir parler toutes les langues couramment. Oh, ah oui. Ah, mais là, c'est très difficile, ça, Ice Cubes. Il faut limiter à certaines langues, non? Hilary, je voudrais apprendre d'autres langues. Bourneville Lover, le ballet, mais pas avec des pieds mauvais. D'accord? Roman, je voudrais... Attendez, ça va très vite. Je voudrais parler français parfaitement. Kanita, je voudrais apprendre le surf. Ah ouais, ça c'est pas mal. Alejandro, bonjour. Victoria Jacques, je voudrais parler couramment plusieurs langues ou peut-être apprendre la chimie. La science est intéressante, ça c'est vrai. Yesero, je voudrais pouvoir jouer du piano. Eh oui, ça c'est très très... C'est magnifique le piano. Khadija, je voudrais parler le français comme vous. C'est possible. Dessarlika, je voudrais apprendre... Ah, oups, ça a disparu. Et Cheryline qui nous dit... Ha ha ha, moi, je fais des claquettes. S'il vous plaît, n'oubliez pas de cliquer. Don't forget to click on the like. It will be extremely difficult to reach the 100, but let's see how far we can go. So try to click on the like. Essayez de cliquer sur le like. Merci beaucoup. Monica Nash, bonjour. Cliquez sur like, s'il vous plaît. Allez, on continue avec une question. Si vous pouviez vivre à n'importe quelle période de l'histoire, laquelle choisiriez-vous? Donc, si vous pouviez vivre à n'importe quelle période de l'histoire, laquelle choisiriez-vous? Allez-y. Alors, vous pouvez donner une période, vous pouvez donner des dates, des années, comme vous voulez, hein. Alors, Akash qui nous dit « Quelle belle journée from India ». Bonjour Akash, you can participate. Deyang qui nous dit « Bonjour ». Participer, it's almost the end, but it's okay. It's okay, we still have 12 minutes to go. Vous pouvez y aller. Deyang, c'est gentil. Just one time, it's enough. Merci. Alors, Mercurial Man, qui est effectivement quand même un grand philosophe et qui nous dit « Je choisirai maintenant ». Eh oui, vivre l'instant présent, c'est peut-être ça la solution. Chériline, Luciana, c'est un bon choix, j'adore faire les claquettes. Bah oui, et puis c'est très joyeux à regarder. Masterchef, le temps romain ou le futur? Victoria Jacques, peut-être les années 90 pour que je puisse grandir à nouveau, et espérons-le...
ne pas faire les mêmes erreurs, juste des erreurs différentes. Ben oui, mais pas aussi grave. Sanana qui nous dit l'époque victorienne. Ah, j'adore les vêtements et l'art de ce temps. Olga qui nous dit la Renaissance. Yesero qui nous dit je vivrai en l'an 2254. Très très précis. Yesero est un homme très précis car je pense qu'il y aura une qualité de vie qui sera meilleure que maintenant. Yulia qui dit « Je préfère l'époque des dinosaures quand les gens n'étaient pas là. » C'est vrai qu'on est plus tranquille. Hein. On est plus tranquille, pas besoin de parler. Bombville Lover dans l'avenir quand tout sera bien. Roman, je choisirais quand j'étais un petit bébé. Stardust dans les années folles, les années 20. Eh oui. Alors, avec le Foxtrot, etc., etc. Ice Cubes, peut-être l'époque hippie. Lisbeth, dans les années 1980, tout était mieux dans mon pays. Ah, les années 80, oui, c'était pas mal. Victoria Possé, je choisirais la Renaissance. Cosmina Bellou, je choisirais la période interbellique en Roumanie. C'était une période très florissante pour mon pays. Omar, si je pouvais vivre dans une autre période de l'histoire, je choisirais l'Amérique avant l'invasion. Très bien. Yossi qui nous dit, attendez, dans les années 20, du 2e siècle. Qu'est-ce que vous voulez dire 22e siècle. Donc dans le futur, alors. Vouslat, je choisirais l'instant présent. Masterchef qui nous dit une ère moderne. Dessarlika, je voudrais vivre la dernière heure et venir plus tôt pour apprendre le français. Une heure avant, Cheryline, quand il existe un remède pour toutes les maladies. Ah oui. Est-ce que ça va exister un jour ? Ah, je ne sais pas, ce serait idéalement, bien sûr. Sundar, si je pouvais vivre à n'importe quelle période de l'histoire, je choisirais les temps anciens. Hillary qui nous dit, je choisirais maintenant parce que j'ai besoin de Wi-Fi. Ah oui, c'est ça, oui. Mais peut-être le futur, alors ce serait possible, mais bon, c'est comme vous voulez. Masterchef, un futur lointain grâce à une bonne science médicale. Kirill qui nous dit « Je voudrais revivre la période de 1900 à 1917 parce que cette période était le temps incroyable et parce que j'aime l'art nouveau. » Eh oui. Allez, ça continue, je vous fais travailler aujourd'hui. Vous devez écrire beaucoup de choses. Si vous pouviez choisir, j'ai oublié, si vous pouviez choisir un moment amusant de votre vie, quel moment choisiriez-vous ? Excusez-moi, le choisir avait disparu. Est-ce qu'il y a dans votre vie, ou revivre si vous voulez, on va mettre revivre, tiens, ce sera peut-être un petit peu mieux. Si vous pouviez revivre, voilà, c'est-à-dire vivre à nouveau. Si vous pouviez vivre encore une fois, à nouveau, un moment amusant, ça doit être amusant, de votre vie, que choisiriez-vous ? Quel moment amusant de votre vie vous voudriez revivre ? Allez-y.
Alors, Sanana Anana qui nous dit, ah c'est un gros bloc, hein, j'aimerais revivre mon enfance. Ah ben donc c'était une belle enfance. Fiona Adams qui dit, rester avec ma famille. Stardust, au poker, il n'y a rien de plus amusant que de jouer avec des gens qui ne savent pas jouer, je ris. Ah donc c'est ça finalement. C'est-à-dire que quand vous jouez au poker avec des gens qui ne savent pas jouer. Alors, Master Chief, j'aime la musique classique et le rock Green Day. C'est bien, moi aussi j'adore Green Day. Je dois dire que je suis un fan. Mercurial, je choisirais de jouer au football pour la Coupe du Monde. Hillary qui nous dit, je voudrais voyager avec toute ma famille. Donc revivre ce moment. Lisbeth, je voudrais revivre le moment où je pouvais embrasser ma famille et mes amis. C'est vrai que c'est une période. Maintenant, c'est difficile d'embrasser les gens. C'est très très étrange, hein. Et même serrer la main, on se salue, on check comme ça. Roman, je voudrais revivre les voyages. Vouslat, je choisirais l'instant présent. Yossi, je voudrais revisiter la maison du Père Noël à Rovaniemi et parler avec lui. Cosmina Bellou, toute mon enfance a été très amusante. Et j'ai eu toute la liberté pour rêver et m'amuser. Bickert, je voudrais revenir dans les années à l'université. Yulia, l'enfance avant l'école, c'est toujours meilleur. Ice Cube, ce qui nous dit, je choisirais mon enfance ou la troisième année de l'université. C'est très précis, hein. C'est très précis avec Ice Cube. La troisième, pas la deuxième, pas la quatrième, juste la troisième. Olga Ruiz, 14 ans, Saint-Martin, Colombia, la plage, la mer. Claudie Sky, je choisirais quand j'avais 20 ans, car j'étais jeune et j'avais beaucoup d'énergie pour faire la fête. Mais c'est ça, hein. La fête, plus on avance dans l'âge, moins on résiste. Bourneville Lover, aller au concert de Beyoncé avec ma famille, c'était fantastique et amusant. Desarlika, je voudrais revivre avec ma famille. Sundar qui nous dit, je choisirais un moment pour profiter avec mon meilleur ami. Omar, je crois que je choisirais mon voyage ou le voyage en Thaïlande. Cheryline, j'aimerais revivre le temps dans mon laboratoire précédent. Je me suis tellement amusé à effectuer de la vive chez des souris et d'autres choses très cool. D'accord. Mais qu'est-ce que vous avez demandé aux souris si elles appréciaient aussi? Alors, Masterchef, Green Day est un groupe américain. Oui, je sais. Merci beaucoup pour notre information. Allez, ce sera la dernière question. Quelle est la chose la plus difficile que vous ayez jamais faite? Quelle est la chose la plus difficile que vous ayez jamais faite? Ce sera notre dernière question. Vous avez une petite minute pour me répondre. Merci. Alors, ça commence avec Bourneville Lover qui dit « Apprendre le français ». Oh, est-ce que c'est aussi difficile que ça? Il y a d'autres langues qui sont difficiles à apprendre, mais apparemment, Bourneville Lover nous dit « Apprendre le français ».
Alors, Vouslat qui nous dit apprendre le chinois. Et donc voilà, le chinois est probablement plus difficile à apprendre que le français. Alors j'attends les autres réponses, mais apparemment ça va doucement. Fiona qui nous dit « Écoutez mes proches ». C'est vrai, parfois c'est difficile. Masterchef, apprendre le calcul des mathématiques sont difficiles. Hillary qui nous dit « Pardonnez les autres ». C'est vrai que des fois c'est difficile, hein. C'est difficile le pardon, c'est pas quelque chose qui est très naturel toujours. Cosmina, je crois que c'était la naissance de mon fils. J'ai vécu des moments vraiment difficiles, mais voilà, je suis là avec vous. Ben oui, et oui, et votre fils est probablement le plus beau, le plus intelligent. C'est toujours comme ça. Sanana Anana qui dit « je sais pas ». Des Sarlika, les mathématiques. Victoria Possé, la chose plus difficile de ma vie est d'éduquer mes enfants. C'est pas facile. Hein. Oh, c'est pas facile. Et ils sont tous différents. Ah oui, on doit s'adapter. Chériline, cours d'anatomie. Nous devions travailler sur des cadavres et je détestais ça. Oh, ah oui, d'accord. Ah, je comprends. Je comprends. Cloudy Sky, prononcer le R. En français. Sundar, quand mon ami est parti au Népal. Kirill, j'ai préparé un examen de philosophie en une soirée. Pas mal. Alors là, effectivement, hein, mais peut-être que vous aviez préparé mentalement avant. Lisbeth, être enfermée si longtemps à cause de la pandémie, c'est trop pour moi. Lisbeth, c'est trop pour tout le monde. Tout le monde, on a comme ça, on veut sortir. Ice Cubes monté à 3491 mètres d'altitude, je pense. Les autres, c'est pas très difficile psychologiquement et physiquement. Bravo Ice Cubes. Alors là, bravo. Omar, la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, c'est la plongée. Yossi, attendre le moment quand mon épouse a donné naissance à notre fille. Eh oui. Omar, plongée. Oui, d'accord, j'avais compris. Kanita, pour décider de sauter d'une cascade de 15 mètres. Ah oui, ça c'est normal. On dit, allez, saute. Non. Olga Ruiz, voyager au Mexique, seule et jeune. Stardust, pour tout réapprendre après un coma. Oh mon Dieu, mais c'était possible. Et vous l'avez fait. Félicitations, Stardust. Marie-Yves qui nous dit peur de parler français. Mais non, regardez, vous avez écrit et c'est formidable. Bravo, c'est possible. Bickert, pour moi, le plus difficile est de m'entendre avec les gens et comprendre les jeunes garçons. C'est toujours difficile. Hein. Et les jeunes, en général, c'est difficile de les comprendre. Quand on est plus jeune soi-même, c'est pas facile du tout. Victoria Jacques travaillait tous les jours. Eh oui. Mais il y a une chanson qui dit « Le travail, c'est la santé ». Je ne sais pas si ça peut vous motiver, mais « Le travail, c'est la santé ». Cherchez, c'est une chanson d'Henri Salvador. Hein. « Le travail, c'est la santé », c'est comme ça. Roman qui nous dit « Apprendre le suédois ». Non. Alors là, hur mordu, Roman. Alors, Crécy, apprendre le français quand j'ai grandi et j'ai toujours détesté. Oh, ben ça, c'est terrible, alors. Quand vous êtes forcé, ça, c'est pas très, très sympathique. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Je vous dis merci. Demain, souvenez-vous, c'est en français et ce sera uniquement en français. On a beaucoup parlé français aujourd'hui, mais c'est normal. C'est à la même heure. Et puis la semaine prochaine, normalement, si tout va bien, eh bien, nous nous retrouvons à la même heure de lundi à samedi. Je vous dis merci, au revoir et à bientôt. Seist yksin parvekkeen kaiteella. Alla maailma, jonne et tahdo palata.
isoa, joka olen sinut musertaa. Me kyllisen reunan ja asetut roikkumaan niin, et ainoa mitä tehdä pitää, on pitää kiinni. Ainoa mitä tehdä pitää, on pitää kiinni.